Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, coloriage aujourd'hui, je termine la chevelure du coloriage que j'ai commencé, de l'Elegant Beauty d'Alena Lazareva, voilà. Bon, faites pas attention à mes cheveux, c'est une catastrophe aujourd'hui. On a une tempête aujourd'hui dans le Nord. Pourtant, je sais pas, la météo, j'ai pas vu qu'ils annonçaient une tempête. Et ça fait 3-4 fois que Chouchou et moi, on est obligés d'aller dans le jardin. Déjà pour récupérer la clôture qu'on avait mis, les canisses en bambou. Parce que ça commençait à partir, donc on a raccroché. C'est reparti, ça repartait. Donc on a carrément démonté la canisse, enfin une partie, on l'a enroulée parce qu'il n'y avait plus moyen de la récupérer, de l'accrocher, tellement il y a le vent, je ne sais pas combien de kilomètres heure il est, mais tellement le vent est fort. À un moment, je suis repartie moi-même dans le jardin voir si ça allait, et il y avait une tôle du voisin. Voisin poulailler qui était retombé dans mon jardin, dans mes plantes et mes nains de jardin. Donc j'étais frappée chez lui. Et à un moment là, j'ai eu la peur de ma vie. Je reviens dans le jardin. Chouchou avait la tôle dans les mains. Et certes, la tôle, avec le vent, la tôle lui arrivait dessus, mais juste là. En dessous du cou, il s'est retrouvé plaqué contre la clôture de l'autre côté du jardin. Les lunettes avaient valsé, tout s'en est même, il s'en était même pas rendu compte. Mais la tôle lui était arrivée ici à la gorge. On a une frousse. Du coup, le voisin d'ici, il a dit Jean-Luc, il dit arrête, arrête, lâche cette tôle, laisse tomber. Tu feras ça plus tard. Oui, là, on a eu tous peur. Parce que là, il aurait pu se faire couper la gorge par cette tôle. Ah, tout ça à cause de ce saloperie de voisin. Alors, je vais vous montrer déjà le vent qui fait. Et du coup, je vais vous montrer parce que j'étais refrappée à sa porte pour lui dire qu'il y avait les bâches de son poulailler qui allait bientôt arriver dans mon jardin à cause du vent, parce qu'elles étaient en train de se détacher, malgré qu'il y a une cabane dans ma cour. Vous allez les voir. Je vais à ma fenêtre, vous allez voir ça. Alors voilà, là vous voyez mon jardin. Donc là, vous voyez sa voiture. Hein. Vous voyez la bâche qui vole là. Donc en dessous, c'est son poulailler. Vous voyez comment elle tient la bâche? Elle tient sur un fil. C'est fini. Donc là encore deux grands coups de vent et la bâche repart chez moi. Et là, voilà, je vous montre la tôle que Chouchou a reçu, a eu presque sur lui là. Enfin, il l'a eu sur lui pendant qu'il la tenait. La tôle qui est arrivée sur sa gorge. Voilà. Donc du coup, il a laissé la tôle par terre. C'est la tôle du voisin, celui du poulailler. Et puis, il a mis un carré de ciment dessus pour plus qu'elle bouge. Pour pas que ça aille blesser quelqu'un d'autre ou quoi. Heureusement, il n'a pas été blessé. Mais là, tout. Alors, je profite pour vous montrer la cour du voisin du poulailler. Regardez. C'est agréable, hein, aussi de voir ça. Voyez? Alors moi, voilà ma cour à moi. Bon là, j'ai enlevé mes fleurs à cause du vent. J'ai tout mis dans la cabane hein, pour pas que justement que ça vole et que ça parte chez les voisins. Donc j'ai tout vidé. Et voilà la vue que j'ai quand je suis dans ma cour. C'est aussi bien que le poulailler. Donc avec sa voiture hein, là-bas. Et je vois que son portail avec le vent, il s'est ouvert. Là, le portail blanc. Alors moi, je surveille parce que là, dans le fond, j'avais mis des encombrants. Donc, bon, c'est surtout des cartons. Donc, c'est pas très grave.
C'est des choses légères, mais je surveille quand même. Donc voilà, vous voyez le vent qu'on a aujourd'hui. Et le poulailler qui va finir par s'envoler. Donc voilà. Donc et la fameuse tôle, donc comme je vous disais. Donc Chouchou s'est retrouvé plaqué, vous voyez la tôle où elle est, hein, et il s'est retrouvé plaqué sur les poteaux de ciment là. Voilà. Donc il avait la tête, la tête a manqué de claquer sur un des poteaux de ciment. On a eu très peur. Le voisin à côté, là où c'est très propre, hein, le voisin ici, c'est lui qui lui a dit non, non, stop, tu arrêtes, touche plus à rien. Même moi, je lui ai dit, bon, on va laisser tomber, on va laisser comme ça, on verra bien. Et là, le joli poulailler qui s'envole. Donc là, je suis au premier étage hein, de chez moi. Mais bon. Bon, on verra bien. Bon, il y a quand même du soleil. Mais vous voyez. Allez, je retourne à la table. Donc voilà pourquoi j'ai une tête à faire peur aujourd'hui. J'étais coiffée hein, ce matin. Mais bon. Et là, bon, je continue de surveiller quand même parce que bon, on sait jamais qu'il y aura encore des choses qui s'envoleraient à droite ou à gauche, qui iraient chez les voisins ou qui, bon. Et ouais, je surveille surtout, c'est que le poulailler du voisin n'arrive pas chez moi. Il y a déjà une tôle qui est arrivée. Alors le pire, là, vous n'avez pas pu voir parce qu'il y a ma cabane. Donc sur ça, mais vous avez déjà vu hein, dans la vidéo que je vous avais fait sur le poulailler justement. Donc vous avez vu, il y a la bâche qui se soulève. À côté, il y a encore une deuxième bâche. Et donc près de la cabane, il a mis les tôles posées. Donc c'est pour ça que j'en ai une tout à l'heure dans mon jardin. Elles sont juste posées, pas accrochées. Elles sont juste tenues avec des roues de voiture posées. Il y a uniquement des roues de voiture qui sont posées sur les tôles. Donc ça, c'est pareil. Je suis en train de surveiller que les roues, elles ne virent pas dans mon jardin parce que la pente de sa tôle va un peu vers mon jardin. Parce que là, s'il y a une roue qui tombe, en dessous, il y a mes arbres, tous mes petits arbustes. Guili guili. C'est pas les chatouilles que je vais lui faire. Déjà tout à l'heure, j'étais déjà pas contente parce que la tôle était tombée sur mes nains de jardin et mes plantes. J'ai râlé en allant frapper chez lui. Mais heureusement, il n'y a pas eu de casse. Mais là, bon, je continue à surveiller. Bon, à part ça, ça va chez vous? Il n'y a pas de tempête? Donc oui, je vous disais, j'ai continué mon dessin, donc j'ai fini la chevelure, voilà. Donc je l'avais terminé hier, hein. Je suis un peu en retard sur le montage de ma vidéo, mais j'ai terminé ma chevelure, voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il y a eu un petit, c'est pas un souci. Le problème c'est que mon crayon il a fait. Il a fondu. Hein. Donc, il a fallu que je recherche un crayon qui allait à peu près pareil que ce que j'avais déjà commencé dans la chevelure. Donc, c'est le marron foncé. Je ne saurais plus vous dire le nom, mais bon, je vais vous marquer en barre d'infos. Hein, parce que. Lequel j'ai changé. Donc, pour réussir à avoir presque la même couleur que le crayon d'origine que j'avais commencé à utiliser au début de la chevelure, là, j'ai utilisé deux crayons, deux couleurs. Voilà. Donc, mais là, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, bon, moi, sachant, je me dis, bon, je le vois. Mais Chouchou dit non, ça ne se voit pas.
Donc, et c'est vrai que quand je le vois en photo, non, ça, je vois pas de différence. Donc, ça va. Donc là, j'ai dû utiliser deux couleurs en plus pour rattraper ce manque de crayons. Donc là, maintenant, je vais voir pour commander des crayons Prismacolor, mais à l'unité. Parce que du coup, on met du petit, mon crayon. Tout petit, que ça. Et là, maintenant, quand je veux le tailler, je le taille, mais la pointe, elle commence à casser. Et je ne peux plus le tailler dans mon gros taille-crayon parce qu'il est trop petit. Et donc, si je le taille dans un petit taille-crayon normal, là, la pointe casse. Donc, c'est mort. C'est fini. Donc, on m'a dit de regarder sur au Géant des Arts, des Beaux-Arts. Donc, je vais regarder sur le site. Si, parce que sur le site de Prismacolor, j'ai regardé. Mais j'ai rien vu pour commander à l'unité. Et puis comme c'est pas en France, pour envoyer un message, c'est compliqué chez eux. Donc je vais finir par trouver. Hein. Voilà. Si jamais vous savez où je peux commander les Prismacolor à l'unité, bah dites-le-moi en commentaire. Voilà. Allez, je vous laisse regarder la vidéo parce que là, je blablate, je blablate, je blablate. Mais vous en avez marre que je blablate comme ça, hein? Ce que vous voulez, c'est regarder la vidéo. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.